c'est Aurélie et Maëlia. On se retrouve pour un nouveau vlog masse. Et nous sommes donc le 18 décembre. Oui. Et j'ai un poil de chat qui me gêne. Bon, enfin bref, là on est à peu près un quart d'heure de partir. Donc Maëlia aujourd'hui elle a son spectacle de danse. Petite représentation pour Noël. Elle est déjà habillée aux couleurs demandées, donc noir, rouge, blanc. Oui. Là, je vais lui faire un petit make-up et on va installer aussi le bandana. Oui. J'ai toujours le poil qui me gêne. Je sais pas où il est. Bon, enfin bref. Donc, on va se dépêcher parce que après, il va falloir y aller. Allez, let's go! La maman est allée chercher le mascara et après on va mettre le petit rouge à lèvres. Après on met le petit bandana. Voilà ce que ça donne pour le petit make-up. J'ai toujours ce poil là qui me gêne. Je sais pas où il est, tu le vois toi? Voilà. Ah super, Maëlia m'a enlevé le poil qui me gênait. Donc voilà, c'est parfait pour le petit make-up. Je crois que j'en ai un sur le nez. Ça c'est les chats, hein, quand on leur fait des bisous, on se prend plein de poils après. Donc maintenant on va installer... Le bandana. Donc, maintenant voilà, on installe le bandana. Ah voilà, je vais t'enlever la marque quand même. Ce sera mieux avec la marque Zimane là. Ouais bon, ça va, ça fait un petit bandeau. Et voilà, Maëlia est prête pour son petit spectacle. Donc, première représentation de hip-hop. Parce que la dernière fois que tu avais fait du hip-hop, c'était en 2020 et il n'y avait pas de spectacle à cause du Covid. Donc là, tu vas pouvoir te défouler. Et Maëlia, elle adore ça. Non mais regardez comment elle est trop belle. Alors, c'est tenue noire et rouge jusqu'à la veste. Hein. Pour la petite histoire, c'est une veste que je me suis commandée pour moi sur Asos. C'est du XL. Et regardez, elle me va pas du tout et elle va à Maëlia. Et c'est taille femme. Hein. J'ai bien regardé, je me suis pas trompée. J'ai pas pris XL enfant. C'est taille femme et ça va parfaitement à Maë. Enfin bref, elle a hérité d'une jolie veste. Allez, cette fois-ci on y va, parce qu'après on va finir par être en retard. Oui. I like getting money, I got time to get it. Target on me, so my car's a tinny. Dancing with the devil, I don't bargain with it. Bobbing in a dash and the stick is witty. And I hit the 4-5 on the wet side. But I'm from the east side, this how we slide. This how we ride, yeah, yeah, this how we ride. Going pro, no lead, no lead. Make it easy like one, two. Et on se retrouve pour l'ouverture des cadeaux numéro 19 et 20 parce qu'encore on a oublié. En ce moment on fait qu'oublier. Allez, j'ai vraiment hâte que tu l'ouvres celui-ci. Pourquoi? Mais tu verras. Ouh. Hop là. Oh là là. Ah, c'est le baume à lèvres que je voulais en plus. Alors tu comprends maintenant pourquoi je te le refusais à chaque fois. Parce qu'à chaque fois qu'on allait à Action, on passait devant, elle me disait « Maman, tu me le prends ?» Et je lui disais « Non Maëlia, je te le prends pas, t'en as plein. » Et c'est parce qu'il était déjà dans le calendrier, voilà. Il s'agit donc d'un baume à lèvres Reese's. Alors Maëlia déjà, elle adore les Reese's. Mais aussi elle adore les baumes à lèvres. Et en plus, si ça sent le Reese's, c'est encore mieux. Ah, ça sent pas le Reese's. Ça sent pas bon ? Ça sent le caramel. Oh, ben ça va. J'aime pas le caramel. Si, on dirait que ça sent un peu le style le beurre de cacahuète. J'aime pas le beurre de cacahuète. Ah ben écoute, tu le voulais à chaque fois. J'avais pas que ça sentait ça. Mais... Ah ben ça c'est la meilleure. C'est pas validé? Oh. Bon mais c'est pas grave, je le mettrai moi. Hein. Non, je garde juste le packaging. Ah, tu le gardes pour le packaging. Ok. Numéro 20. 20. Tu sais qu'est-ce que c'est du coup? Non, je m'en rappelle plus. What? Des Poké la fraise. Yeah. Trop bien. Ouais. Donc c'est toujours pareil, des petits Mikado japonais avec plein de goûts différents et cette fois-ci donc c'est à la fraise. On vient de se rendre compte qu'il faut ouvrir aussi la case 21, enfin le cadeau 21.
Donc let's go. La plupart du temps on pense pas. C'est trop mignon. Ah ouais, je me rappelle. On pense pas à ouvrir les cadeaux en fait. Donc après, le lendemain, on en a plusieurs à ouvrir. Oui. Des petits gâteaux en forme de koala. Et à l'intérieur, il y a du chocolat. Par contre, j'aime pas trop. Le chocolat, il est un peu bizarre. Coucou. On se retrouve avec Tati. Anaïs. Coucou. Tati et Anaïs est avec nous pour les fêtes. On est très très contente de l'avoir avec nous. Attention, petit avertissement. Nous sommes en train de jouer au Père Noël là. Parce que chez nous, le Père Noël passe que pour les enfants. Et on avait envie de nous, les grands, se faire des cadeaux. Donc Tati et Anaïs est en train d'emballer les cadeaux pour les grands. Voilà. The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I want. Et on se retrouve dans la cuisine car nous allons faire des onigiri. Yes, on profite que Tati Anaïs est avec nous pour faire donc une spécialité japonaise. Oui. Les onigiri. Alors dans la dernière Nihonbox que j'ai eue, ben, j'ai reçu justement donc le petit moule pour faire les onigiri de Kirby. Il est trop trop mignon, donc ben, on s'est dit, allez, il faut absolument tester. Donc let's go. Alors Tati Anaïs est en train de goûter les gâteaux qu'on a mangé hier là. Oui, mais je l'avais déjà mangé ça. Ah, tu connaissais? Ouais. Et donc elle confirme que le chocolat au Japon, c'est pas trop ça. Ah oui, dès qu'ils mangent le chocolat ici, ils sentent. Ouais, ils sentent la différence. Et ouais, ouais. Pas bon, c'est... Et Maëlia, elle boit donc un petit thé One Piece. Chopper, trop trop mignon. Alors j'ai pris du riz spécial sushi. Et là Tati et Anaïs est en train de laver le riz. Et là nous avons fait, donc on a utilisé du thon en conserve. Avec quoi? Avec de la mayo. Voilà, la mayo. Et de la sauce soja. De la sauce soja, un petit mélange pour garnir nos petits onigiri. Et on a un chat ici qui est gourmand, qui veut manger tout. Il a senti le thon. Alors notre riz est cuit. Allez, c'est parti. On met la première couche de riz au fond du moule. On a mis un petit plastique là alimentaire pour pas que ça colle. Le thon. On va mettre le thon. Allez, on met la petite garniture. Ça va être bon. Il y en aura peut-être pas assez, non? Ouais. Ils sont gros, hein, les onigiri, finalement. Non. Ce qui est bien, c'est que c'est assez consistant. Mais... Oups, c'est parti. On aplatit. Il fait super, ça. J'adore. Et voilà. Mais il est trop bien fait, j'adore. Allez, là, cette fois-ci, on a pris l'algue. Ok, mais il a faim, donc tu vas manger dès maintenant. Oui. Elle va commencer à goûter. Trop bon. Trop bon. Très bon. C'est encore un peu chaud. Non. Mais c'est bon. La crème, c'est mieux. Ouais. Maëlia, elle aime bien les onigiri, hein. Bon bah itadakimasu. Itadakimasu. Ouais. J'ai mis un peu de sauce soja. Trop bon. Et coucou! On se retrouve pour un petit shopping à Grand Littoral. On a rejoint Jonathan William. Et on est toujours avec Tati Anaïs. Allez, c'est parti, on va à Primark. Oh, on a trouvé un petit copain. Ah, il est il tient tout seul là. Non. Trop bien. Ah si, ça va. Ah ouais. Elle est trop belle, la bouteille Sailor Moon. C'est trop sympa. On a des cookies Marvel pour les fans. On a ici les cookies Disney Princess aussi. Ils ont sorti une gamme Barbie. Non mais... Avec la pince à épiler, les ciseaux, le recourbe cils. Sleigh bells ringing, diamonds blinging, carols singing, famous season. Sleigh bells ringing, diamonds
tapas, the gaufre, Nutella avec tout le monde. Bon appétit. Bon appétit. On a tous pris la même chose. Tonton William et Tati Anaïs ont pris avec un supplément de banane. Miam miam. Les gourmands. Et c'est parti pour BHM. C'est une première pour Anaïs. On a trop hâte. Bataille de grosses peluches entre Tati Anaïs et Tonton William. Elles sont trop belles. On a des accessoires Xbox, c'est ça, Minecraft. C'est mignon. Ah ouais. Il y avait une porte-clé, sinon j'aurais plutôt pris un truc comme ça, mais bon, je sais pas si... C'est trop mignon. Oh, trop chou, le petit panda. Petite veilleuse. Trop beau. Ouais. On est dans le rayon de Noël pour voir si on n'a pas quelques petites décos à prendre. Petite déco de dernière minute. Ah, on a le village de Noël ici, là, avec des prix en baisse. On est devant une boutique nommée Trop Gourmande, spéciale Noël. C'est trop beau à l'intérieur. Wow. J'adore. Ah ouais, elles sont trop belles. Magnifique. Monsieur le fan des fils de Noël, il est trop beau. Ah ouais, ah ils sont trop choux. On en prend. Et re coucou, on est rentré. On va vous montrer les choses les plus sympas qu'on a pris, ce qu'on a trouvé. On commence par quoi? Par la nourriture, enfin les petits trucs gourmands, ou par Primark? Primark. Il n'y a pas grand chose à Primark, franchement. J'ai trouvé le haut de pyjama de Maëlia, donc elle a le bas, j'ai aussi le bas, donc j'en ai profité pour lui prendre le haut, on l'avait pas trouvé la première fois. Voilà, petit haut de Noël, elle va être trop bien dans son petit pyjama de Noël. Voilà, alors j'ai craqué aussi sur la bouteille Sailor Moon. On utilise assez souvent les bouteilles isothermes, donc il y a une collection Sailor Moon chez Primark. Alors dans le nôtre à Marseille, Grand Littoral, je n'ai vu que les bouteilles, mais apparemment il y a d'autres objets dans les autres Primark. J'ai vu ça sur TikTok. On a fait vraiment un passage rapide, histoire de dire on y va puisqu'on est sur place. Chez BHM, j'ai trouvé cette petite corbeille, trop trop mignonne, rose. J'ai pris aussi une mini machine à cupcake. On va terminer. Attends. On va terminer. Je vais pas le couper ça. Vous voyez comme elle se moque de moi? Tout ça parce que je suis enthousiaste. On va terminer par les gourmandises. Les gourmandises que j'ai trouvées donc dans ce magasin, je suis trop contente. On avait testé dans les vlogmas du début, donc les petites choco spoons de chez Action, et c'était pas bon du tout. Donc là, on a trouvé, donc pareil, des petites cuillerées avec au bout des petites formes en chocolat, c'est trop mignon. Donc ça s'appelle le véritable chocolat chaud, c'est vraiment trop mignon. Et on a du chocolat au lait et du chocolat noir. Donc on va tremper ça dans le lait chaud et ça fera du chocolat chaud. Et je pense que ça va être trop bon. J'espère qu'il va être de meilleure qualité que ceux de chez Action. Alors sinon, j'ai craqué sur ça, le petit bonhomme en pain d'épices. Trop mignon, il est pas trop beau. Trop chou. Faites pas attention à ma tête, on est en fin de journée. Et j'ai voulu aussi tester les petits bonhommes en pain d'épices tout mini. Voilà. Donc ça, avec un bon chocolat chaud ou même un thé, on va se régaler. On va terminer ce petit vlog avec l'ouverture du cadeau du jour. C'est parti pour le cadeau 22. Oui, le calendrier se vide. On approche du jour J. Vous voyez les petites chaussettes de Tati Anaïs là? J'espère que c'est pas des gaufrettes encore. Je l'espère. Je sais que j'en avais pris pas mal quand même des gaufrettes. Voilà.
C'est des gaufrettes? Oh, je me rappelle plus. Eh oui, c'est des gaufrettes. J'ai pris que des gaufrettes. Ah, c'est Hunter Hunter. Ah. Encore une fois, Hunter Hunter. Encore une fois, Hunter Hunter, tu l'avais eu au premier. Au premier. Donc, super. Voilà, donc une petite gaufrette à manger avec des petits stickers. La gaufrette, elle a quoi? Elle aime pas parce qu'il n'y a pas assez de chocolat selon elle. Mais ça va, c'est mangeable. Pour la pica. Oh! Ah ben c'est super parce que là on a eu un super personnage, Kurapika. Voilà. Donc on espère que ce petit vlog, Vlogmas, vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-nous plein de likes. On vous fait de gros bisous. Et les gros câlins. Bye bye.